Verdansk était l'épicentre de la guerre froide. Avec ses tunnels, ses goulags, ses bunkers et ses armes de destruction massive. Voici Viktor Zakhaïev. Son père, un héros soviétique, n'a jamais eu la guerre mondiale qu'il voulait. Alors Viktor s'est trouvé un partenaire pour la lui offrir. Al-Assad avait un compte à régler avec les superpuissances. Il était libre, armé et dangereux. La coalition et l'allégeance ont signé un traité et envoyé leurs meilleurs hommes. Mais Zakhaïev a fait jouer ses relations pour semer la discorde. Il a eu ce qu'il voulait. On a fini par se trahir les uns les autres. Nos renseignements indiquent qu'il a encore de la réserve et qu'il compte bien s'en servir. La situation est explosive, et Zakhaïev a déjà allumé la mèche. Alors à nous de jouer. Bravo 6. Silence radio. Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là on est sur Call of Duty Modern Warfare et la saison 4 est enfin arrivée. Donc on est le 11, j'ai commencé à la télécharger vers 9h, apparemment elle est là depuis 8h du matin, mais on a commencé à la télécharger depuis 9h. Donc la mise à jour c'est la 1.22, donc ça je me trompe pas, mais je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'il y a en téléchargement sur les plusieurs plateformes en réalité. Donc à savoir que si vous voulez l'avoir sur PlayStation 4, il faut faire 34,7 Go de téléchargement, donc je le noterai à chaque fois. Après sur Xbox c'est quand même 48,9 giga hein. Après sur PC il y a deux positions, en réalité vous avez 44,3 giga que pour les jeux de Warzone, donc ça veut dire que si vous êtes sur PC vous avez que la Warzone, c'est 44 giga. Et si vous êtes joueur complet, donc ça veut dire vous avez le multi plus le Warzone, vous avez 49,70 giga sur PC. Donc franchement c'est quand même une très très grosse mise à jour. Il y a vraiment une copie en cours qui a duré quand même assez longtemps, parce que vous voyez que j'ai commencé à le télécharger vers 9h et il est 11h07, à savoir que j'ai quand même une bonne connexion chez moi. Donc de ce côté là il n'y a pas trop de problème. Donc là c'est la 1.22. Donc là je vais vous parler du pass de combat, de quelques petits trucs qu'ils ont changé. Donc on a la nouvelle map, c'est la Scrapyard. Donc j'espère que je vais pas trop esquinter le mot, mais normalement c'est la Scrapyard. Et donc c'est une map de MW2 qui a été remasterisée. En tant elle a été refaite et elle a été remise. Donc là pour l'instant je suis vraiment sur la présentation du pass de combat, donc je l'ai pas encore testé. Mais vous pouvez la tester en 24-24 ou soit en hardcore 24-24. Donc avant de passer sur le pass de combat, j'ai vu que j'ai un pack gratuit, donc ça, on va regarder vite fait. Donc là, je suis censé en avoir un ici. Donc là, ok, j'ai eu un quad, enfin un camouflage quad et un éclair. Ok, d'accord. Donc on va le prendre, on appuie, obtenir le pack. Voilà, là je l'ai acheté, enfin là je l'ai eu, ça moi. Donc là, je vais acheter le pass de combat en direct avec vous, mais avant tout, je vais vous montrer quelques petites bricoles en vérité. Parce qu'ils ont changé quelques trucs et donc il faut vraiment savoir. Alors je préfère celui-là. Donc, quand vous allez sur les armes, donc on va savoir qu'il y a deux nouvelles armes qui sont arrivées. Donc je m'attendais à autre chose, mais bon, il y en a une que j'aime bien, l'autre je suis pas sûr, donc on verra bien. Mais on va directement aller sur les armes. Et donc il y a des choses qui ont changé au niveau des armes. Donc on va prendre une classe au pif, celle-là, voilà. Et vous voyez que là, il y a trois logos qui ont apparu à côté de l'arme. Donc le premier logo, vous le connaissez, mais pas les autres. Et donc, vous allez sur toutes les armes, vous avez ça. Donc, par exemple, vous prenez le voilà. Donc, à savoir que soit vous en avez deux, soit vous en avez trois. Donc, si vous en avez trois, c'est parce que vous pouvez acheter dans la boutique. Donc, ça veut dire que directement, normalement, si vous êtes intéressé, par exemple, sur ce couteau-là, vous cliquez et ça va pivoter directement sur la boutique et vous allez pouvoir l'acheter. Donc, dans la logique, ça doit vous pivoter sur la boutique. Donc ça veut dire qu'il est en boutique. Sinon, vous avez les défis aussi. Donc ici, c'est quoi 500 éliminations. Ok. Ici, faire 2000 éliminations. Ok, d'accord. Alors, ok, on est sur les éliminations, les tirs dans la tête et les talents. Donc, on va regarder. Par exemple, on va prendre une arme que j'ai déjà faite. Par exemple, on va dire l'agro. Allez, l'agro, elle est à fond. Donc là, on a tout ce qui est camouflage, plus les atouts et tout. Ici, on a les défis. Donc là, on a re des défis. Donc l'agro, moi, je l'ai en obsidienne. Et je vais devoir encore jouer avec. Donc il faut faire 500 éliminations. Défi d'élimination or. Donc là, ça va nous débloquer une récompense. Donc une carte de visite. Et après, je dois faire 2000. Et on a la carte de visite du Damas. Ok, d'accord. Donc vous pouvez avoir une carte de visite de l'arme que vous préférez, comme par exemple là si je fais 2000, alors je les ai largement fait puisque comme j'ai l'obsidienne, les 2000 c'est très facile à faire, les 2000 franchement je vous mens pas, parce qu'avec l'obsidienne vous devez faire 200 fois 15 kills, donc vous pouvez multiplier, on est largement plus que 2000. Hein. Donc à savoir que, je vais même pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on est à plus que 2000.
Donc, je vais pas le calculer de tête pour pas. Mais normalement, on a plus que 2001. Alors, on va vérifier pour être sûr et certain. 15 multiplié par 200, on est à 3000. Donc, normalement, je l'aurais déjà fait. Enfin, à savoir que vous pouvez débloquer une carte de visite. Après, vous avez aussi au niveau de la tête. Donc, vous avez un style de platine pour la tête. Vous devez faire 200 tire-tête. Et vous avez un style de. Alors, ça, elle est stylée quand même. Vous devez faire 750 tire-tête. Ok, d'accord. Et les talents. Tout, 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 tout. Faire 75 éminations en regardant dans le viseur. Et d'une crosse, et avec, ah non, et avec 100 crosses, option, pas de sélection, ok, d'accord, donc vous pouvez gagner cet emblème, après, pareil, ici, on a un emblème, il faut faire 50 éminations en glissant, 75 éminations en étant accroupi, il est beau aussi celui-là, et vous pouvez faire 25 éminations, tir dans la tête, à bout portant, en utilisant, ah ouais, d'accord, 25 éminations d'un tir dans la tête, à bout portant, en utilisant 4 accessoires, ouais, il se casse pas la tête, en vérité. Donc, par exemple, si vous êtes fan de l'aggro et que vous avez, par exemple, le Damascus dessus, vous pouvez aussi avoir l'emblème Damascus et vous pouvez avoir votre carte de visite Damascus. Alors, je trouve ça pas mal. Après, je trouve que les derniers sont un peu tirés par les cheveux, surtout celui-là. Parce que déjà, faire des tirs à bout portant, c'est déjà short. Mais en plus, à faire des tirs à bout portant dans la tête, bon, après, il faut en faire que 25. Donc, ça passe, on va dire. C'est pas trop... C'est pas très compliqué, en fait. Et après, pareil, vous avez la boutique. Donc, dans la boutique, vous avez les armes qui sont dedans. Mettez les doigts là, hop, hop, voilà. Là, pour l'instant, sur celle-là, il n'y en a que 3. Et donc là, on va passer sur le pass de combat. On va acheter le pass de combat. Alors, vous voyez qu'il y a quand même déjà un bug parce que je me retrouve déjà encore avec la carte de visite alors que je l'ai déjà faite. Je vais me dire que j'ai encore un pack quand même. Ah, si, j'en ai encore un là. C'est la fête, c'est bien. Ok, bon, on va le prendre. Oui, pas mal en plus. Obtenir le pack. Ah, c'est parti, c'est acheté. Donc là, ils m'ont offert deux packs directement. Ils ont peut-être dit qu'il va faire une vidéo, donc on va lui offrir deux. Allez, hop. Donc, carte de visite. Bon, moi, j'aime bien ma carte de visite. On va garder quand même celle-là. Ouais, je la trouve propre, mais je préfère la mienne. Franchement, j'aime bien celle-là. Donc là, on va aller sur le pass de combat saison 4. Voilà, on est dessus. Alors, oh, Capitaine Price au début. Oh. Alors, franchement, je n'ai pas été voir. Hein. Je vous dis tout de suite, j'ai regardé quelques options, mais j'ai pas été voir le pass de combat. C'est toujours mieux de savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme arme. À mon avis, en lisant quelques commentaires sur Internet, j'ai été un petit peu déçu parce qu'il n'y a pas de sniper. Mais on va voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Donc la première chose qu'on va faire, on va acheter le pass de combat. J'ai 1700 CP points, je les avais mis de côté. Donc on applique sur carré, récupération des jetons. Hop, c'est parti, pass de combat 4 acheté. Voilà, donc ça va débloquer. Et on y va, hop. Donc là, on est sur le numéro 1. Bon, c'est bizarre, pourquoi ça m'a pas débloqué ça? Alors, est-ce que ça me les a débloqués? On va voir, parce que j'ai encore un cadenas dessus. Donc on va aller voir sur opérateur. On va regarder, est-ce que ça me l'a débloqué ou pas? Alors, où est-ce qu'il est, lui? Alors, on a... Ouais, ok. On a celui-là. Il est là, Price. Alors, débloquer le pass de combat de la saison 4. Alors, à mon avis, il doit avoir un bug, parce que j'ai acheté le pass de combat. Ils me disent de doit débloquer le pass de combat, mais je les ai pas eu. Donc, acheter le pass... Ah non, j'ai pas acheté. Pourquoi ça fait ça, là? Ok, d'accord, il faut vraiment ouais, que j'appuie, c'est comme si je ne l'ai pas acheté, en fait. C'est un peu con, mais c'est comme si que ça a fait la présentation, c'est moi qui a fait n'importe quoi. Habituellement, je clique avant, et je vais voir un petit peu avant, et je vous fais la vidéo, mais là, vraiment, j'ai voulu vraiment aller dans le truc en même temps que vous. Donc là, bon, je prends pas les 2400, je prends les 1600 points, on fait achat en cours, voilà, c'est Battle Pass acheté, j'avais peur, je me suis dit, ouais, j'ai cru que j'avais perdu les points, bon, après, je m'en fous, je l'aurais remis. Voilà, donc c'est parti, on a déjà le premier personnage, donc on va aller dans opérateur. Ici, on en a un, voilà, donc on a celui-là. Ok, je l'avais déjà, celui-là en plus. Il est marrant, il est stylé. Allez, on va le mettre. Et on va aller sur celui-là, on va mettre Capitaine Price. C'est parti, Monsieur Price. On y va. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont jouer avec. Donc après, à savoir aussi que vous allez avoir des défis à faire dessus. Donc ici, il est stylé, ouais. Fantôme, il vient aussi. Celui-là aussi. Donc ça, à mon avis, ça a débloqué dans le pass de combat, ok. Donc, ah oui, oui, exécution, c'est quoi l'exécution? Ok, on a l'exécution canin, et on a quoi? Tête froide. Alors, on va essayer tête froide, ça sera peut-être plus simple, pour changer un tout petit peu. Donc là, on retourne sur le pass de combat, et on va regarder une par une. Donc on a débloqué les deux personnages, donc celui-là c'est une variante, et celui-là c'est un personnage. Donc là, on a quoi? Ah, c'est un klaxon de véhicule, ok, on a des klaxons de véhicule maintenant, aperçu. Aperçu. Je sais pas trop si vous avez l'entendre. Je vais essayer de monter un peu le son. À fond. Pour... Au moins, vous allez l'entendre. Ouais.
Je suis pas sûr et certain que vous allez l'entendre, mais bon, c'est assez marrant. Donc là, on a quoi? On a du boost d'XP de la saison. Bon, ça, c'est normal. C'est... Alors, si, quand vous avez ça, vous avez plus 10%. Donc, quand vous allez vous remettre sur la page, vous allez avoir plus 10%, en fait. Entre parenthèses, pour vous remercier d'avoir acheté le pass de combat, ben, tout en bas, il est marqué plus 10%. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une game, ben, si votre pote a pas acheté le pass de combat, ben, vous avez toujours 10% de plus. Donc là, on a une variante d'arme. Donc, on peut cliquer sur croix pour regarder... Donc, c'est le 1911, celui-là. Ouais, bon, elle est très simple. Hein, on va pas... C'est pas quelque chose qui casse des briques, comme on dit. Donc là, on a une carte de visite. Alors, Monsieur Price aussi. Au niveau 2, niveau 3, on a une heure de double XP d'armes. Donc ça, c'est pas mal, parce que quand on débloquera les nouvelles armes, on va pouvoir l'utiliser. Après, on a quoi? Un emblème. Il est pas mal. Moi, j'aime bien aussi. Liberté à tout prix. Ok, d'accord. Après, on a le couteau. Oh, celui-là, il est pas mal, vraiment. Prisonnier 627. Donc là, c'est pour le couteau. C'est une variante du couteau. Corps à corps. Ouais, c'est un couteau qui a été fait limite en prison avec un bout de fer. Un petit, une tôle de fer. Il y a deux petites soudures et c'est tout. Après, on a gratuit. Alors, on a au niveau 5, c'est 100 CP points. On a une heure de double XP. Ça, c'est pas mal aussi parce qu'on va pouvoir monter rapidement. Et là, on a une variante de la MP7. C'est la Harpy. Ok, d'accord. Donc, avec la variante, il nous rajoute des munitions 50 et le laser. Franchement, elle est pas mal. J'aime bien. Elle est stylée. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je la trouve pas mal. Donc, après, on retourne ici. Donc, on a une apparence sur le quad. Donc, après, moi, je joue très rarement à part la Warzone. Mais bon, oh, il est stylé le personnage, là. Alors, Urzikistan SSG, une apparence rare. Elle est stylée, elle est pas mal. Alors, je sais pas si on peut le voir. Ah, si, bah, directement, voilà. Donc, on peut le voir dans tous les sens. Vous avez juste à faire le joystick droite ou gauche. Voilà. Franchement, elle est pas mal. C'est stylé. Donc, après, on a un gratuit. Donc, on a un autocollant. Bon, moyen, on va dire. Après, on a 100 CP points au niveau 11. Une heure de double XP d'armes au niveau 12. Ici, on a un spray au niveau 13. Ouh, Vector. Oh là là. Alors, la Fennec, c'est la Vector. Le vrai nom, c'est la Vector. Enfin... Elle ressemble pas tout à fait à la Vector. Je trouve que la Vector devant, elle est un petit peu plus grosse, on va dire. Mais voilà, c'est la Fennec, à mon avis. Bon, ils peuvent pas prendre le nom Vector parce qu'avec les droits, il va falloir les payer. Donc, c'est un peu compliqué. Mais ça a l'air d'être pas mal, quand même. Alors, il y a un petit aléa en bas qui est marqué mitraillette automatique et agressif au franc, un faible recul et une cadence de tir incroyable et incroyablement élevée. Idéal pour faire des menaces, des ménages, ok? Pour faire le ménage, je dis n'importe quoi. Dans une pièce ou attaquer en première ligne. Donc, ouais, bah, c'est à peu près un MP7, en fait, MP7, MP5, la même chose. Donc, ça a l'air d'être pas mal quand même. Après, je sais pas combien elle a de balles, mais elle a l'air d'en avoir pas mal quand même. Quand on voit la taille du chargeur, on en a pas mal. Donc là, on a déjà la première arme du pass niveau 15. Donc il va falloir camper un petit peu le jeu pour pouvoir aller jusqu'au niveau 15. Vous la montez en or et vous présentez une vidéo, bien sûr, comme on fait d'habitude. Donc là, aucune crainte. Donc là, on est sur une carte de visite. Ok, on a 100 CP points au niveau 16. On a une variante. Alors là, on est... Oh, elle est stylée. Hein. Lumière du crépuscule. Ah ouais, sur la PKM. Ah, elle est stylée. Ah, j'aurais même aimé que le Damascus soit un peu dans ces couleurs-là, en vérité. Le Damascus avec l'effet bleu-violet, comme ça. Ah, j'aime bien, franchement. Il y a des camouflages, je suis pas fan, mais là, vraiment, celui-là, il est stylé. Ah ouais, franchement. Si maintenant, la prochaine fois, je joue avec la PKM pour la montée en obsidienne, à mon avis, je serais peut-être... J'enlèverais peut-être le Damascus et je la mettrais comme ça, parce que je la trouve super belle. Franchement, dites-moi en commentaire si vous la kiffez comme ça. Moi, bon, je la trouve bien. Hein. Après, chacun ses goûts, mais je la trouve bien. Donc, ils lui ont mis un canon 18-2, un laser MW1. Après, ils lui ont mis quoi? Une Cross Force TAC. Et le canon, c'est poignard avant tactique. Donc, ça a l'air d'être déjà pas mal. Après, à mon avis, ça devrait être plus pour le rush, quoi. Donc là, on est sur le niveau 18. Donc là, c'est quoi? C'est une exécution. Donc là, hein, c'est école buissonnière. Donc là, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ok, un nouvel opérateur, enfin un nouveau skin opérateur, donc là c'est un rare, c'est Winder Reeve. Donc de temps en temps l'anglais, si je dis mal, c'est normal, je suis pas fort du tout en anglais, mais je le trouve stylé, franchement. Tout simple, mais stylé. Ouais, franchement, avec la petite veste comme ça en cuir et tout, c'est genre, le gars il s'est perdu dans les bois. Et... franchement c'est stylé, moi j'aime bien. Je trouve vraiment stylé, je le trouve bien fait, bien fini.
C'est pas mal. En plus, j'aime bien la photo style beau gosse. Ouais. Donc là, allez, après, on va aller voir au niveau 20. Alors, donc là, on est sur une variante d'armes aussi, pareil. Ok, d'accord. Donc là, on est sur quoi, ça? J'irai peut-être la SKS. Après, je vais peut-être dire une connerie, mais ça se pourrait que ce soit une variante de la SKS. Ok, d'accord. Donc, on a un frein de bouche. On a un canon Force TAC. On a un hybride incliné. Une crosse de combat, ok. Une bande poignée, ok. Ça a l'air d'être pas mal. Par contre, la seule chose qui me gêne un peu, c'est la lunette hybride. Mais bon, après, rien n'empêche de personnaliser un tout petit peu. Mais franchement, je la trouve stylée. Après, niveau 21, on a 45 minutes de double XP. Niveau 22, on a 100 CP points. Après, vous avez un masque rare. Enfin, c'est un pendentif, pardon. Masque rare, en vérité. Donc, on a babiole, ok. 30 minutes de double XP d'armes. On a un skin apparence véhicule. Donc j'essaie d'avancer un peu plus rapidement que d'habitude parce que comme ça, ça me permet de présenter quand j'ai des armes. Et en même temps, évidemment, les gens me disent que mes vidéos sont trop longues. Donc j'essaye de faire un petit peu plus rapidement. Mais bon, après, j'aime pas trop, je speak mal. Donc là, on a une variante sur la VLK Rogue. Donc avec l'étouffoir. Franchement, elle est stylée aussi. Hein. Elle est propre. Hein. Elle est propre. Alors, on a un canon long 16 et on a des munitions cartouches 8. Ok, d'accord. Ça va, ça passe. Je vais pas dire que c'est le top du top, mais ça passe. Après, on a quoi? On a un spray, ok, au niveau 27. Couleur grenade. Ok, d'accord. Après, on a 15 minutes de double XP et un nouvel opérateur. Donc, on a un skin opérateur, pardon. Chaque fois, j'ai nouvel opérateur, mais c'est un skin opérateur. Ouais, ça va. Je vais pas dire que... Je préférais celui d'avant. Franchement, je vais pas vous mentir. Je vais pas dire qu'il est nul. Je vais pas dire qu'il est bien, mais je préfère celui d'avant, tu vois. Ouais, je préférais celui d'avant, voilà. Donc là, ok, niveau 30, on a une nouvelle arme. Donc là, c'est une arme, c'est pas une variante d'arme. On est sur une arme, on est sur la CR-56 AMAX. Ok, et donc c'est un fusil d'assaut. Hein. C'est pas un tactique ou quoi, c'est un fusil d'assaut. Donc c'est, entre parenthèses, c'est une petite mitraillette. En réalité, c'est une mitraillette. C'est l'équivalent d'un AK, mais en plus petit, en réalité. Donc je me demande s'ils ont pas... Alors, il y a un moment, on parlait de la Galil, en réalité. Et je me demande si en réalité c'est pas une variante de ça. Ce fusil d'assaut automatique de calibre 7,62, 39 mm est léger, compact et puissant, conçu exclusivement pour un usage militaire. Le modèle standard est redoutable à moyenne portée et peut être configuré pour diverses stratégies offensives. Donc franchement, ouais, ça a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Quand vous voyez, on est sur l'autre. Donc ils disent pas fusil d'assaut, kilo, entre parenthèses. Alors, soit c'est une variante de la... Enfin, soit c'est une plus petite... Moi, j'aurais dit, d'accord, puisque regardez... Et normalement, on devait avoir une histoire de Galil. Donc, je me demande si c'est pas plus ou moins rapproché par rapport à la Galil. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ça pourrait être ça? Parce que normalement, on était censé avoir le Barrette. Bon, ça, c'est mort parce qu'on l'aura pas. Mais on était censé avoir la Vector, on l'a. Et on devait avoir aussi une variante de la Galil. Donc, à mon avis, enfin... Pour moi, ça se pourrait que ça soit ça. Mais après, voilà, c'est un mélange entre une kilo et un accord, en fait, pour moi. Après, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc là, on a 100 CP points au niveau 31. On a quoi, carte de visite niveau 32. Donc le nom, c'est Montana Gravir. Ok, d'accord. Après, oh, la montre, elle est stylée. Ok, elle est vraiment, vraiment propre. Alors, ce serait pas mal qu'on verrait les ennemis, quand même. Alors, je crois que ça, c'est un truc qui serait cheaté, mais non, à mon avis, on pourra pas. Mais franchement, je la trouve stylée. Hein. À mon avis, elle va juste faire ça. Elle va juste bouger de droite à gauche, mais on n'aura pas vraiment et tout. Mais ça aurait été pas mal que... Un peu comme un carter cardiaque, en réalité, qu'on aurait eu et tout. Mais ça aurait été cheaté. Mais après, voilà, si on joue avec Phantom, c'est une stratégie. Donc, je la trouve pas mal, la petite montre. Hein. Peut-être la future montre que je vais mettre. Elle est au niveau 33, donc ça va. Donc là, on a une variante encore. Donc, la variante, alors, vieille habituée. Et donc, on a la variante de la Car 98. Ok, d'accord. On a une variante de la Car 98. Donc, elle est pas mal. Stylée, elle est propre. Donc, ok. On a thermique mercenaire. Ok. Donc, les atouts. Bon, je suis pas fan des atouts, mais bon, ça va. Donc, là, on va passer sur le niveau 35. On a 45 minutes de double XP d'armes. Niveau 36, on a un emblème jet DD. Après, on a quoi? Oh, est stylé, voilà. Ah, il est beau. Marteau azuré. Ah, franchement, il est stylé. Ah, j'aime bien. Dynamique. Il est marqué dessus. Franchement, je trouve très, très, très bien.
Donc, à quoi silencieux tactique A19, A9-16 canon. Ok, bon, c'est la... enfin, c'est pas le canon, c'est plus ou moins le chargeur du dessus. Chargeur 21, poignée. Ok, elle est pas mal, franchement. Ouais, ce serait pas mal d'avoir un truc comme ça. Faudra que je la teste. Quand j'aurai la variante, je la testerai. Donc, après, on a Roche sur de l'aigle, pardon. Donc, ça, c'est un camouflage, en vérité. Je le trouve beau, mais bon, un peu cheaté. On va le voir, hein, partout. Donc, là, un opérateur, donc un camouflage d'opérateur, un skin d'opérateur, on a besoin. Donc là, bon, je suis pas trop fan en réalité. Non, je suis pas trop fan. Le premier, je le préférais encore par rapport à celui-là. Je sais pas, je suis pas trop fan en vrai. Ouais, je le trouve moyen, ouais. Il y a mieux. Ils ont sorti des opérateurs qui sont beaucoup, beaucoup mieux. Je trouve que, je sais pas, il manque quelque chose, mais je sais pas quoi, mais il manque un truc. Donc, là, on a 100 CP points, donc au niveau 40. Niveau 41, on a couche de glace. Donc là, c'est une variante de la... Ok, on y va, de la Uzi. Ah ouais, c'est une variante de la Uzi. Oh, elle est cheatée, voilà. Elle est trop bien. Elle est stylée. Hein. La variante, elle est magnifique. Franchement, elle est trop, trop, trop stylée. Alors, il y a quoi dessus? Ok, ils ont mis le nouveau canon pro silencieux monolithique, laser tactique, hybride incliné. Ok, d'accord, combat. Ouais, elle est pas mal. Bon, après, ils ont mis tous les atouts en haut, hein, mais franchement, elle est stylée. Je la trouve très très propre. Dites-le moi en commentaire. Franchement, dites vraiment vraiment en commentaire ce que vous en pensez, parce que là, celle-là, je la trouve très très belle. Hein. Donc là, on revient en arrière. Donc là, on y va. 1 heure de double XP au niveau 42, niveau 43, on a un autocollant. Niveau 44, on a encore une variante de la PKM, normalement, si je me trompe pas. Ouais. Elle est stylée aussi, elle est propre. Mais je préférais celle d'avant. Hein. Ouais. Canon lourd, ok, d'accord. Lunettes tireur d'élite. Voilà, bah là, c'est pour la portée, par contre. Hein. Donc celle-là, c'est vraiment pour la portée. Donc là, on a 15 minutes de double XP d'armes. On a un graphe, en vérité, donc un spray. Alors, calme explosif, ok. On a 100 CP points gratuits, donc au niveau 47. Niveau 48, on a une carte de visite relief de Capitaine Price. Et après, on a un skin d'opérateur. Donc, on va regarder ici. Ça va, je le trouve propre. Ouais, je le trouve. Ah, bon, ça va, je le trouve propre. On est un peu dans la marine, on va dire. Italie. Donc, on va éviter de se tromper sur les drapeaux. Comme la dernière fois, je me suis trompé entre la Chine et la Corée. Je me suis fait tuer. Bon, là, ça va, il marque Italia. Et de toute façon, le drapeau d'Italie, je le connais quand même. Il ne faut pas être un noob pour ne pas connaître le drapeau d'Italie quand même. Donc, là, franchement, ouais, celui-là, je trouve propre. Sobre, mais propre, tu vois. L'autre, je sais pas, celui juste avant, il manquait un truc. Je sais pas quoi, je peux pas vous dire. Pour moi, il manquait un truc. Après, dites-moi en commentaire si vous voyez qu'est-ce qui pourrait lui manquer. Mais moi, je trouve qu'il manque un truc. Celui-là, ça va, tu vois, avec la bouée autour du cou et tout. L'autre, il manque un truc. Donc là, on a quoi? Une variante d'arme. Donc, on a craie bleue. Ok, d'accord. C'est quelle arme? Oh, c'est la... Oh, je me rappelle plus du nom maintenant. Ah, j'ai perdu le nom. Donc ça, c'est un fusil tactique, normalement, fusil d'assaut, pardon. C'est un fusil d'assaut. Je l'ai plus en tête. Bah, c'est celle, ça, c'est pas la variante de la grosse. Ouais, je dirais que ce soit la variante de la grosse. J'ai un doute, mais non. Moi, ouais, ça pourrait être la variante de la grosse. Donc dites-le moi en commentaire si vous l'avez. Ça m'évite de sortir du pass de combat pour revenir tout à zéro. Mais je dirais une variante de... Ça pourrait être une variante de l'agro, en fait. Dommage qu'ils ne m'ont pas, en fait. De temps en temps, c'est juste... Il aurait pu le noter, mais bon. Donc là, on a un emblème lanceur de roquettes. Et après, il nous reste 15 minutes de double XP au niveau 52. Donc là, on arrive à la moitié du pass de combat. Niveau 53, on a un porte-clés, donc un porte-bonheur. Ah ouais, base de profond. Ok, d'accord. Bon, je trouve propre, ça va. Avec le drapeau anglais dessus, je trouve propre. Donc là, on a une variante d'un PA. Donc, ok, on y va, on va regarder. Ah, il est propre aussi. Hein. Franchement, il est stylé. Hein. Donc, c'est le 50GS, celui-là. Franchement, il est propre. Sur le 50GS, franchement, il est pas mal, pas mal. Voilà. Donc, 100 CP points au niveau 55. Niveau 56, 1 heure de double XP d'armes. Niveau 57, on a un autocollant, j'aime pas trop. Niveau 58, allez, on a encore une variante d'armes. Donc là, pareil, la carte 98, on est sur la carte 98. Ouais, ça va, c'est propre. C'est sobre, c'est propre. Full bois, c'est stylé. Donc là, on a
un skin d'opérateur, donc on va regarder. Oh, ça va, j'aime bien aussi. Ouais, ça va, je trouve propre. Il est vraiment stylé. Avec les petites lunettes sur le côté et tout, le badge et tout. Franchement, voilà. Il y a vraiment des. Il y a des moments, il y a juste une petite chose qui fait que le skin donne quelque chose de bien. Il y a des moments, il manque des trucs, mais celui-là, ça va. C'est comme l'autre, ça va. Franchement, elle est stylée. Après, on a quoi? On a un spray au niveau 60, amour éternel. Alors, niveau 61, on a ligne rouge, une montre. Ok, d'accord. Franchement, elle est bien aussi. Ouais, je la trouve bien quand même. Ouais, je la trouve stylée, mais je préférais l'autre d'avant. Donc là, on a 62, 30 minutes de double XP, 63, on a bonne soirée. Donc, non, au niveau 64, je suis en train de dire n'importe quoi, mais bon. On a bonne soirée, ok, niveau 64, entre 64 et 65 en réalité. Donc à chaque fois, je dis ça, mais bon. Je dis toujours celui d'avant. Mais bon, c'est niveau 65, donc on a sous-bois. Donc là, c'est la variante de la P90. Là, on a la variante de la P90, je la trouve propre, hein. Franchement. Et ils se sont bien cassés la tête hein, sur les variantes quand même. Hein. Les niveaux des passes de combat, d'habitude, les variantes ne sont pas terribles. Mais là, ça donne envie de temps en temps de jouer sans le Damas, hein, quand même. Parce qu'habituellement, moi, je joue full Damas parce qu'il y a des moments où j'aime pas du tout les camouflages qu'ils ont tournés dans le passe de combat. Mais là, franchement, j'aime bien. Je la trouve vraiment, vraiment, vraiment stylée, la variante. Hein. Franchement, elle est propre. Donc là, après, au niveau 66, on est sur les Call of Duty points, sans CP points. Niveau 67, on est sur le Rocket. Donc, cartouche de roquette, on est sur un emblème. J'aime pas trop. 30 minutes de double XP niveau 68. Niveau 69, on est sur un pendentif. Ouais. Ouais, c'est. J'aime pas trop. Enfin, je suis pas trop fan, on va dire. Voilà. C'est le Wilson en fait. Hein. C'est ni plus ni moins, c'est ça, c'est Wilson. Donc, après, on a un personnage, la variante de personnage. Ouais, franchement, ça va, elle est propre. Mais il manque un truc. Ah, c'est le russe en vérité dessus, ouais, c'est ça. Ouais. Je sais pas, il manque un petit truc, il manque un truc. Mais enfin, ça va, ça passe, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il lui manque un petit truc, je sais pas quoi. Je sais pas trop, je vais pas dire, mais il lui manque un truc, quelque chose. Donc là, on a une variante d'arme encore. C'est quoi? PKM? Ils se sont fait plaisir sur la PKM, hein. On a eu au moins 3 ou 4 variantes d'armes sur la PKM, là. Ok, niveau 72, on a quoi? On a un autocollant. Niveau 73, 1 heure de double XP. Niveau 74, 100 CP points. Niveau 75, on a un skin d'hélico. Ouais, ça va, ça passe. Mais il est propre. Hein. Après, on a... Oh, ok, d'accord. Donc, on a une variante de sniper au niveau 60... Combien j'ai dit? 76. Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est celui-là, c'est la... Le HDR. Je me trompe pas, c'est le HDR. C'est pas possible que c'est le X50. Le BR14, ça m'étonnerait. Là, ça se pourrait quand même, le BR14. Ça pourrait être une variante de le BR14. Je vais pas dire une connerie. Je pourrais... ouais, ça pourrait être une variante de le BR14. Parce qu'il n'y a pas de rechargement sur le côté. À moins que si, alors si. Bah, je dirais entre HDR et BR14. De toute façon, c'est pas possible que ce soit la X50. Donc là, au niveau 77, on est sur un carte de visite hélicoptère détruit. Niveau 78, 45 minutes de double XP d'armes. Niveau 79, on a une autocollante, en fait un emblème. Raid aérien, niveau 79. Niveau 80, on a encore un skin d'opérateur. Celui-là, je le trouve propre. Ça va, je trouve propre. Donc après, on arrive sur le niveau 81. On est sur une variante d'arme. Ok, là, on est sur le... on est sur le HDR, voilà. On n'est pas sur le X50, on est sur le HDR. Ouais, ça va. Bon, je vais pas dire il casse pas des briques, mais... il est propre, mais il casse pas des briques. Hein. Niveau 82, on a 100 CP points. Niveau 83, on a 15 minutes de double XP. Niveau 84, on est un porte-bonheur Siga. Donc c'est le nom brûlant, mais c'est un cigare. Ici, au niveau 85, on a une variante. Ok, une variante de la nouvelle arme, en vérité. Elle est propre. Hein. Ah ouais, elle est stylée, là. La variante, là, elle est brûlante. Elle est vraiment stylée.
Après, on a niveau 86, on a une autocollante, donc sur l'aile. On a 87, 1 heure de double XP arme. Niveau 88, on a un spray. Niveau 89, on a encore une variante d'arme. Donc là, on a une variante d'arme sur le. Alors, c'est l'origine 12, si je me trompe pas. Ouais, c'est l'origine 12. Ouais, ça va, elle est propre. Faire kaki avec du rouge comme ça fait stylé. Franchement, elle est propre. Après, niveau 90, opérateur. Ah, il est stylé, sûr. Ah, j'aime bien. Franchement, là, il est bien l'opérateur. Ouais, c'est stylé. Après, j'ai pas vu cet opérateur-là, c'est pas marrant quand même. Si? Ouais, je vais voir si c'est sur Mara, mais je crois pas que c'est sur Mara. Je pense que c'est plus sur un autre opérateur. Ils vont mettre le doute, on va aller voir tout de suite. C'est sur quel opérateur qu'ils l'ont mis ça? Pas sur Mara quand même. Je crois pas. Alors, on va regarder, mais je pense pas que ça soit sur Mara. Non, donc il doit y avoir un autre opérateur féminin. J'en ai un là. Peut-être elle. Donc là, de toute façon, il va falloir le débloquer. Donc je vais regarder vite fait. Que je dis pas de bêtises. Elle, je sais qu'il y en a un. Parce que je l'ai vu tout à l'heure. Alors vous voyez que là, il est bloqué là. Et celui-là. Donc c'est plus ou moins ceux-là qu'on avait vu tout à l'heure. Donc il doit y avoir un autre opérateur. Elle? Je crois pas trop. Hein. Si? Non. Ok, après on avait Mara et tout. Donc on n'est pas sur ces opérateurs-là. Et là. Je crois que c'est un opérateur que j'ai pas. Ah, il est là, c'est l'opérateur que j'ai pas débloqué. Ok. C'est Iskra. Ok, d'accord. Ouais, je l'ai pas débloqué cet opérateur-là. Ouais, c'est bon. Je vois laquelle. Donc là, on retourne sur le pass de combat. Donc là, c'est un peu chiant. Vous voyez que je suis revenu complètement au début. C'est pour ça qu'il y a des moments, j'essaie de pas trop revenir en arrière. Mais c'est bon. C'est parce que cet opérateur, je l'avais pas. Donc j'avais un doute. Donc on va revenir, on est ici, on est sur le 90. Alors le 91, on a 100 CP points. Le 92, on a une carte de visite. Territoire hostile. Oh, elle est stylée aussi là. Hein. En 93, on a une montre. Je la trouve propre. Sobre, mais propre. Ça va, c'est stylé. Donc après, niveau 95, niveau 94, pardon, on a armoirie, donc c'est un emblème. Niveau 95, encore une variante de la PKM. Alors, on est full PKM là. Alors, si vous aimez mal la PKM, vous allez kiffer. Hein. Mais sinon, on a vraiment beaucoup de variantes de la PKM. Hein. 96, 1 heure de double XP. 97, on a un porte-bonheur. Ok, d'accord. Niveau 98, on a 100 CP points. Niveau 99, on a un autocollant. Et là, on est sur le palier 100. Donc, on a Monsieur Price encore avec une autre variante. Voilà. Bah, je préfère son premier quand même. On va essayer de tourner un peu. Voilà. Et après, au niveau 100, on a une variante d'arme. Donc on a une variante sur la nouvelle arme. Alors j'ai pas encore le nom en tête, je l'ai vu juste une fois tout à l'heure. Il y en a une qui est assez facile à dire, mais l'autre, elle est assez compliquée. Elle est propre, hein, la variante. Elle est vraiment, vraiment stylée. Et d'ici ce temps-là, j'aurai déjà le Damas dessus. Donc là, on a le camion, donc on a un camouflage et on a le pass de combat palier 100. Donc quand vous débloquez le palier 100, vous allez avoir cet emblème-là qui vous dit que vous avez gagné le palier 100. Donc là, on est bon et à savoir aussi que ben il faudra bien regarder, il y a une nouvelle map. Donc on n'a plus de Shipment Shothouse 24-24. Il n'y a plus du tout ça. Vous voyez que maintenant, on a Mosfeet 10 vs 10. Et après, on a Spryard. Scarpriade, alors chaque fois je galère à le dire ce nom, H24-24, okay. Après on a démolition HC, élimination confirmée, quartier général, recherche et destruction, domination, donc voilà. Donc là on a vraiment la map, la nouvelle map, on va devoir la tester. Alors c'est une map de MW2, donc si beaucoup de gens me posent la question, ça sera une map de MW2. Donc de temps en temps j'essaierai de faire des lives pour voir si... comment j'évolue dans le pass de combat, à savoir aussi que vous allez avoir au moins deux vidéos des armes à débloquer, donc ça veut dire que je vais vous proposer les deux armes en or. Donc quand vous allez dans armes, vous allez par exemple sur ça, tac tac tac, hop, ici, ici vous allez sur armes direct et vous allez avoir sur le fusil d'assaut, elle est là, donc c'est la CR56
AMAX. Donc voilà, il faut le temps que le nom rentre dans ma tête. Mais c'est la CR56 AMAX. Donc là, je peux pas la faire parce que je l'ai pas débloqué. Et après, vous allez aller dans l'autre. Donc vous allez dans Mitraillette. Et c'est pareil, vous avez la Fennec. Donc c'est la variante, entre parenthèses, c'est comme une Scorpion. C'est comme une Vector, pardon. Donc franchement, elle est pas mal. Par contre, elle est pas, elle a beaucoup de précision et tout. Mais au niveau du dégât, elle est pas très très... Après, à savoir que l'arme que j'ai, c'est quand même la gros. Donc, ouais. Donc là, je suis en train de regarder un truc. Ok. Bon, vous voyez que ça n'a pas beaucoup de grosses différences. Hein. Vous aurez dû nous donner un sniper, moi, je trouve. Hein, parce qu'arrive un moment, moi, je suis un peu fan du sniper. J'aime bien jouer au sniper. Et ben, une fois qu'on les a fait, c'est un peu embêtant. Et puisqu'en moment, je fais un peu de Warzone avec des potes, j'aurais préféré avoir un sniper et pouvoir jouer au sniper. Donc voilà pour cette petite présentation du nouveau pass de combat. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds à toutes les questions une à deux fois par jour. Alors, ça dépend par rapport au temps que j'ai, mais c'est toujours une à deux fois par jour. Là, la vidéo, j'ai vu que ce matin, c'était un petit peu... Enfin, j'ai vu que ce matin, elle allait arriver à 9h. J'ai vu qu'elle est en téléchargement. Donc, j'ai essayé de décaler ce que j'avais à faire pour pouvoir vraiment vous sortir la vidéo aujourd'hui le plus rapidement possible pour pouvoir vous la présenter et vous expliquer. Mais à savoir qu'il y a des moments, ben, c'est rare que je sors des vidéos le jour même. Souvent, je fais une vidéo et je la sors le lendemain ou sur le lendemain. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser commentaire, partager, petit pouce bleu. Après, si vous voulez aussi, je vous oblige à rien. Mais j'ai rajouté sur ma chaîne YouTube le bouton rejoindre. Donc, c'est comme un peu... Vous pouvez un peu sponsoriser ma chaîne. Ça veut dire que si vous allez sur le bouton rejoindre, vous allez devoir payer, c'est 4,99€. Et quand vous allez pouvoir parler dans les chats et tout, vous allez avoir des logos spéciaux. Alors il y a 6 logos, il y a le logo nouveau membre et tout, mais ça, alors ça veut dire que c'est des logos que j'ai personnalisés. Et vous allez avoir aussi des emojis, donc 4 emojis qui seront personnalisés. Ça veut dire que vous les aurez que sur ma chaîne et pas sur les chaînes des autres. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous allez juste aller voir sur le bouton rejoindre, mais je vous oblige à rien. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave, c'est pas le but recherché, c'est juste que voilà, c'est pour l'évolution de ma chaîne. J'essaie de trouver des solutions, j'évolue ma chaîne, je travaille tout le temps dessus, j'essaie de l'améliorer, comme le bouton rejoindre. J'ai passé une bonne soirée dessus, ouais, à peu près 20h jusqu'à minuit et demi, juste pour pouvoir créer les logos, activer toutes les options qu'il faut faire, parce qu'on peut pas l'activer comme ça. Bah, etc. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Mais j'essaie toujours d'évoluer ma chaîne au mieux. Après, il y a des gens, bah, s'ils sont pas contents, si ils aiment pas trop, bah, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Vous avez une croix en haut, vous cliquez dessus, vous changez de personne. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'oblige personne à financer ma chaîne. J'oblige personne à rester sur ma chaîne. Mais après, si vous aimez bien, n'hésitez pas à rester dessus. Il n'y a pas de souci. Allez, ciao, ciao. Je vais essayer de faire de temps en temps quelques lives en live sur Call of Duty en Warzone. À savoir aussi que j'ai des autres jeux en cours. Donc, j'essaie de faire attention. J'essaie de savoir quel jeu je peux faire. J'ai pas mal de personnes qui demandent aussi du car mécanique, du farming. Donc, j'essaie de faire un peu plaisir à tout le monde, mais c'est un peu compliqué, je vous mens pas, c'est un peu compliqué. Donc voilà, allez, bonne saison 4, n'hésitez pas à me dire aussi déjà à quel palier vous êtes, n'hésitez pas à me dire par exemple, j'aimerais bien avoir absolument ce palier là ou ce palier là, et est-ce que vous êtes satisfait? Moi, Price, j'aime bien Price, donc ça me dérangerait pas, je vais vraiment le mettre directement en opérateur, et je vais jouer directement avec, là, j'ai pas le temps de jouer, j'aurai ce soir, mais ce soir, on va jouer en Price, il y a pas de souci. Donc voilà, merci, allez, ciao, ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.